regarderai. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh? Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme, elle est trop jolie. Toi tiens quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont... différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Hey, hey! Il faut garder ton calme. Joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère.
Je les vois! Les Allemands arrivent! De la guerre, une autre fourmi, un autre cadavre. Et pour ne pas me laisser abattre, je me disais, je suis démé, je suis un tirailleur, et que Dieu nous aide.
tirailleurs n'étaient pas toujours bien équipés. Fallait fouiller, ramasser, improviser. Je me disais, Démé, faut trouver quelque chose. Trouve un moyen pour que ça marche. Ah, ah. Sauvera des vies, de vraies vies. C'est concret, c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. Années, je m'en souviens encore très bien, mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Tu viens de bon, ça!
déboussola. Ils arrivent. On n'y arrivera jamais. Maintenez la position. Arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. J'ai lancé une grenade! Oh!
Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être qu'ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect, pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste, et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. On a été séparés d'une partie de nos hommes. Je suis parti les rechercher pour qu'on puisse attaquer la batterie principale ensemble. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Ah! Ah! Der Kommandant will nicht, dass Sie die Löhre gefangen nehmen. Sollen wir anders sehen? Und der Landing! Was zum... Ugh!
hat sie verloren. Ergib dich! Feind ist verwundet. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. J'arrive trop tard. On ne peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Troupe allemande et barrage droit devant. Faut pas que je me fasse remarquer par ces patrouilles. Barrage droit devant, avec des gardes allemands. Je dois surtout pas me faire repérer par ces patrouilles. Gleich kommt ein Leuchtsignal!
Essayez de communiquer maintenant. Encore des morts. Difficile d'imaginer qu'il y ait encore des survivants ici. Tant de vies perdues. Il ne doit pas y avoir beaucoup de survivants ici. Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon. Yes!
Allez, on